La difficulté, c'est comment appréhender finalement cet univers particulier qui est celui du peintre et comment le rentrer dedans, mais sans faire de l'illustration par le texte. Autant on dit l'illustration, l'image ne doit pas être une illustration du texte, mais le texte ne doit pas redire l'image, mais en même temps l'accompagner. Et moi j'aime bien cette formule-là d'un critique qui... Alors là, je vais invoquer des grands noms, c'est un peu prétentieux, mais c'est Georges Blin qui disait à propos de Braque et de Char, l'espace du livre, c'est un espace où ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois qu'effectivement, c'est un peu cette recherche-là. C'est-à-dire qu'en fait, devant le travail de l'un ou de l'autre, il y a une espèce d'humilité à avoir pour aller creuser le terrain, ne pas rester à la surface des choses et essayer de... J'allais dire d'aller chercher dans le dessin ce qui va nous parler, ce qui va aussi, j'espère, parler au lecteur ou à celui qui regarde le livre. Les gravures qui sont là, c'est Yves qui les a prises, qui a fait avec une technique à lui cette représentation, c'est lui qui les a tirées. Et il a amené les phrases des poètes qui sont en dessous, qui sont dans le livre. Mais c'est ce rapport qui est intéressant aussi, c'est que... Je laisse une île en entière liberté. J'ai dit à Yves, comme on dit, je te donne ça, tu te débrouilles. C'est-à-dire que dans le choix des gravures que j'avais amenées, des dessins, c'était lui qui a choisi. C'est son désir. Il a vu la correspondance qu'il avait envie de donner. C'est que dans toutes les expérimentations que j'ai faites avec les écrivains, c'est jamais la copie, comme tu disais. C'est jamais faire la ressemblance de ça, comme pour moi dans mon travail. C'est de se nourrir du travail de l'un et de l'autre, et puis d'émerger quelque chose de nouveau, d'avancer dans... Et ça m'a permis progressivement de commencer à bien les écrire, leur donner un sens, ça avait bien marché, et d'aller de plus en plus loin dans les signes. Et dans tous ces écrits que j'ai là, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur des travaux. Ouais. Et voyez, on peut aller à la force, on peut aller à la violence, on peut aller à la souffrance, on peut aller aux choses qui s'écrivent énormément. Et dans ceci, c'est la même chose. Et c'est à partir de là que j'ai découvert l'équilibre entre le blanc et le noir. Quand on dessine un trait, c'est comme dans l'écriture. Quand on fait un A, un B, un O, c'est dans un rond, dans un carré. Le haut est dans un carré. Ça donne le haut, on rajoute une ligne. D'un côté, ça fait un A, un B, un B. On rajoute deux lignes, ça fait un N, un M. Et c'est une codification. Mais le noir et le blanc s'équilibrent parfaitement. C'est pour ça qu'on arrive à le lire. Et quand on fait un travail dans un journal, on a la colonne qu'on appelle le gris. Parce qu'on peut le lire sans se fatiguer, sans bouger la tête, on lit la lettre. Si la lettre est une lettre plus grosse, ça donnerait une dissonance, on ne verrait pas. Donc le travail de Yves sur l'écriture, sur ses textes qu'il fait, sur ses caractères qu'il fait en plomb et tout, c'est important avec mon son. Donc, en travaillant ici, le blanc et le noir, quand je fais un trait, j'essaye de le différencier, leur donner une direction en les cassant, en faisant l'appel du vide, du blanc, de bleu pour les pénétrer. Et donc ça m'amène à des choses, soit en frottant, soit en leur donnant des directions, des mouvements différents. Donc de trouver une musique interne qui permette de donner une émotion. Donc je continue ce travail, vous voyez, et on peut équilibrer, ça se continue sans se continuer, mais la direction des blancs par rapport au noir sur le beige, j'ai l'info à temps. Oui. Ces grands mouvements qui se construisent comme ça. Donc ça, tout ce travail-là est un travail de recherche qui a été appliqué après dans les dessins beaucoup plus poussés dans les autres. Et ce travail, vous voyez, quand on commence à jouer avec la couleur, le blanc qui vient se superposer dessus, une structure qui s'efface, des brumes. Donc on a des sensations. Et ça, ces sensations-là, je les fais en atelier. C'est-à-dire que les tableaux qui sont là, je fais un monochrome d'une couleur, je divise la surface, je cherche un rythme, comme ça, avec des couleurs, des pastels, et progressivement, sans le vouloir, avec ces lignes qui se suivent, ces traits qui donnent le volume, et j'arrive à créer un paysage qui est en atelier, qui n'est pas une représentation, mais qui sort de...